avènement de ces réseaux sociaux, il y avait un fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Mais les réseaux sociaux ont permis à ce qu'un simple citoyen avec un forfait de 200 francs arrive à interpeller une autorité qui réagit. Oui. Aujourd'hui, il ne se passe pas de jour où un ministre, un département ne fait pas un communiqué pour peut-être démentir ou apporter des précisions sur la publication d'un simple citoyen qui est depuis son salon à Kaya, à Sikasso. Or, avant, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et les choses se disaient dans les médias traditionnels sans effet. Et les réseaux sociaux ont cassé cette différence, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec un forfait de 200 francs, tu balances une idée. Si l'idée est acceptée par les autres internautes, ça prend de l'ampleur, c'est viral au fait. Donc, ce qui fait que les autorités aujourd'hui réagissent tous les jours. La télé qui venait développer de grandes théories. Donc, on disait, Draman est théoricien politique. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun donne des positions politiques. Même si souvent, c'est mal analysé, chacun, avec son téléphone, arrive à dire, je suis opposé à tel proposition du président parce qu'il y a ça. Donc tout le monde aujourd'hui est devenu compétent entre guillemets politiquement, oui. Même s'il n'y a pas de critères pour dire qui est compétent politiquement. Ça, c'est les avantages des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le premier véritable contre-pouvoir. Parce que c'est vrai, je suis à la base journaliste, mais les médias traditionnels aujourd'hui ont démissionné. Parce que soit c'est des médias qui appartiennent à des multinationales ou qui appartiennent à des politiciens. Ce qui fait que l'aspiration des peuples n'est plus portée. Et tout le monde se rabat sur les réseaux sociaux. Et je donne un chiffre avant de passer aux inconvénients. Et il y a 2 mois, une organisation anglaise a publié des statistiques sur le Mali. Il y a 1 500 000 comptes Facebook au Mali. Même si 30% de ces comptes sont dupliqués. Donc ça veut dire qu'il y a environ 1 million de Maliens sur Facebook. Mais il y a 8 millions de Maliens qui chaque matin se connectent au moins une seconde sur Facebook. Donc l'écart, c'est quoi? C'est WhatsApp. Oui. Et les Chinois ont reçu un exploit. Les téléphones non Android aujourd'hui ont l'application WhatsApp. Et même dans les villages, nos parents, nos mamans qui ne savent rien faire ont des téléphones et communiquent sur WhatsApp. Donc aujourd'hui, c'est un moyen très puissant. Le journal de 20h à la télé, il n'y a pas 1 million de téléspectateurs. Il n'y a pas 7 millions de... Mais sur WhatsApp, tu mets un message WhatsApp, c'est fini. Il y a 8 millions de Maliens que tu peux toucher. Donc voici un peu les avantages. Maintenant, il y a des inconvénients. Il y a le fake news qui aujourd'hui dérange. Et le drame, c'est que les journalistes aujourd'hui, certains journalistes, puisent sur Facebook pour remplir les médias. Or, tout ce qui se dit sur Facebook n'est pas vrai, c'est pas vérifié. Donc il y a ce fameux problème de Facebook. Et il y a aussi les messages à la haine. Il y a le piratage des comptes. Il y a aussi l'arnaque. Beaucoup de personnes se font avoir sur les réseaux sociaux. Donc voici un peu les difficultés que nous avons par rapport à l'utilisation. Mais tout ça, peut-être la question va venir, qu'est-ce que faire? On a des propositions.